Ok, en vrai de vrai, je suis un enfant. Faut que je vous explique. Moi, de base, je suis le plus grand fan de Hello Neighbor, de loin. Est-ce que c'est bon? Faut savoir que ce jeu-là, j'ai peut-être plus de 200 heures de jeu dessus. C'est un jeu que j'ai énormément speedrun parce que c'était, bah, c'est clairement mon jeu préféré de loin. T'as la place du voisin. Tu travailles et tu vois ça. Tu vois. Comme il vient de sortir en VR hier, je te jure que je suis redevenu un enfant. Je suis trop heureux, vraiment. Soyez indulgent pour mon niveau de guitare, j'ai commencé avant-hier. Ça fait... Non mais... Oh mon dieu, ce que c'est beau. Ce que c'est... Mais c'est beau. Oh mon dieu. C'est magnifique, hein. Alors, nouvelle partie. Est-ce que je peux attraper des objets? Je peux pas attraper des objets random. Bon, j'imagine que la fenêtre, c'est pas par là que je dois passer. Ok, bon. Faut qu'on trouve une genre de barre, en fait. Ok. Contexte. Je suis un enfant, dans sa propre chambre, complètement barricadé, le toit explosé. Le truc, c'est que j'ai vraiment aucun contexte, là. Dans le placard, non? Bah ouais, dans le placard. En même temps, la chambre est pas si grande que ça. Ok, la deuxième. Ce qui est très marrant avec Hello Neighbor, c'est qu'il y a une époque où j'ai cherché s'il y avait pas des gens qui avaient modé le jeu pour le faire en VR, justement. Et là, on a un vrai jeu VR. C'est... Oh ouais, mais c'est trop bien, on attrape le... Shit, je me pisse dessus, C'est beaucoup trop bien. Oh, je retrouve goût à la VR, ça fait du bien, je te jure, ça fait du bien. Hey, what you doing? Si je me mets devant, genre, elle me frappe ou... Aïe, oh. Ouais, excuse-toi, ouais. Ouais. Bon, après, bon, là, pour l'instant, c'est un parc pour les enfants, je t'avoue. Corbeau... Hein? Pourquoi ce bouton est relié au barbecue? Ah ouais, non, j'ai peut-être pas moyen de l'éteindre avant. Non, ok. Non, c'est pas chaud, hein, t'inquiète. Bon, j'imagine que je dois ouvrir une porte, du coup. Attends, il y a peut-être des choses à faire avant, non? C'est un peu un tuto, ça, je crois. C'est pour explorer un peu comment... Pour savoir un peu ce que je peux faire dans le jeu. Donc avec ça, je peux casser des... Donc ça, genre, du coup, je peux le casser. Ok, trop bien. Et le corbeau, je peux le casser ou... Ah, il a mangé ma batte. Donc là, hop. Est-ce que je peux monter là-haut? Oh, je peux. Oh. Tomb Raider. Moi, je suis Lara Croft, en fait. Qui a dit que j'avais 9 ans et demi? Moi, je monte le toit de ma maison. Oh, shit. J'ai juré, je me sens de Lara Croft. Et là, je peux re-rentrer dans ma chambre. Non, 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 non. Pourquoi tu me regardes comme ça, Harry Potter? Attends, mais ils sont nombreux. Je peux tomber là-dedans, tu penses ou pas? J'aimerais bien tomber dedans. Quoi? Non. Je suis pas une tortue ninja, moi. Oui, j'arrive. Ouah, j'ai juré, on va trouver des boîtes de pizza vides. Oh, si! J'ai un peu abusé des fast-food. Je suis un tout petit peu plus lourd que toi. Tu veux que je grimpe là-haut, là? Déjà, je dois probablement avoir 8 ans et demi. 9 ans, frérot. Qu'est-ce que je fais dans les égouts des tortues ninja, frérot? Déjà. Non. Il faut qu'on remette les choses dans leur contexte. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais comment t'es rentré là-dedans? Oh... Oh mon dieu, c'est trop bien. C'est beaucoup trop stylé. Bon, maintenant le truc c'est que... Attends, mais comment t'as fait pour rentrer là-dedans, toi? Comment j'ai... Toi, j'ai tapé Suzy. Parce qu'il faut que... What the fuck, je suis où, là? Attends, mais comment on m'a téléporté là-dedans, elle? Suzy, t'es où? Suzy, ouais, j'ai respawn dans le placard. Ah, c'est un téléporteur. Comment ça, frérot? Le courant. Ok. Wesh. J'ai cassé le jeu. Ah bah, elle est là-bas, Suzy. Oh, le giga spoil. Chef, on a un problème. Chef? Ok, du courant.
Oh, pas aussi fort le son. Ensuite, là-haut. Ah, ça, je pensais. Ok, d'accord. Ah, on vient. Électricité, porte. Enfin, je crois que c'est pour les portes, du coup. Il manque un fusible. M'en fous. La ficelle. Là, si je t'épais, du coup. Attends, je suis où, là? Oui, je suis au début. Moi, ça, c'était fermé, ça. Ah, je reconnais, ça, c'était fermé, ça. Tuyau qui montre à la plateforme que je viens de mettre. Ou alors... Ou alors, on joue avec les cordes. Ouf. Ok. J'aime ce jeu. Attends, pas faire de conneries non plus. Ok. J'ai trop peur de tomber. Là, premier degré, j'ai... Mais c'est ça qui est bien avec les jeux VR, en fait. Vous comprenez pas, mais... Ces trucs-là, tu peux pas expérimenter cette sensation sur des jeux classiques. Même si le jeu a la même mécanique, le fait d'être sûr de pas faire d'erreur pour pas tomber, c'est plus obvious. Et le fusible! Let's go! Ok, c'est ça. Yeah, boy. Et là... Bouton? C'est pas un bouton? C'est un... Ah, bah c'est ça du coup le câble qui ouvre cette porte. Mais génial. Hop, l'échelle, on saute et on s'agrippe. Oh là 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 là, la mécanique. La mécanique. Oh, ça j'aime. Oh, ça me fait penser à la fin de la bêta de Hello Neighbor 2. Oh, j'aime trop. Oh merde! Non, j'ai rigolé. Oh! Quoi? Non! Oh la vache, j'étais pas prêt. Comment? Wesh, le ref, il est passé à travers la cage. Hé hey, papa! Bien ou bien? Tu veux une bière? Eh, tu veux une binouze ou... Bon, je sais ce que je vais faire, du coup. Tac, tac, on va là dans le placard. On va faire le tour, et quand il va arriver juste là... Non. Pourquoi les objets, ils volent? Deux. L'univers de Zinzin. Ce qui est bien, c'est que toutes les plaques sont jaunes, j'ai l'impression, quand tu dois les attraper. Du coup, t'es pas trop perdu, ça va. Ok. Je suis trop heureux qu'ils aient fait un jeu comme ça. On avait besoin de ce genre de jeu, vraiment. On en avait besoin. Oh, les souvenirs! Attends, on dirait un peu comme si on avait créé un monde parallèle en sauvant l'enfant et qu'on est dans ce monde parallèle. C'est vraiment cette sensation-là comparée au premier. Youhou! Comment ça, mon ref? T'es... Wesh, frérot! Oh, c'est beaucoup trop bien! Oh, c'est la sensation est là, la sensation est présente. Eh, tu vas pas me croire de ce que je viens de voir. Il y avait un grand monsieur. Et donc là, ils sautent tous par la tête un bain, quoi. Je peux switch entre les enfants, genre. Et du coup, chaque enfant a sa propre capacité, entre guillemets. Chacun a sa propre mission, en fait. Waouh, mais c'est du tout de beauté. Oh là, quel plaisir, mais quel plaisir. Je pense que je... Il se douche. Ok. Sale moche. Non.
non, la porte, 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 la